Quarantine vlog number 2. La troisième jour de confinement. On survit. Babe, did you get a good workout? Yeah, wish I could have stayed longer though. Yeah, it's nice to be out in the sun. Ce matin, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a mangé tout simplement ce que j'avais préparé, ce que tu viens de voir là, c'était trop bon. Ensuite, on a regardé une série, on regarde Orphan Black en ce moment. Et puis ensuite, bah, on a juste chillé en fait un peu. Et puis là, je viens de finir un devoir, puisque du coup, je suis en études à distance en fait, un devoir maison qu'on devait rendre en anglais. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Et je vais justement l'envoyer à la prof. Et puis je pense que vu qu'il fait extrêmement beau, on va aller peut-être faire un peu de sport, peut-être faire quelques étirements, quelques squats, histoire de bouger un peu et de prendre un peu le soleil pour pas pourrir à l'intérieur. Parce que sinon c'est un peu triste, n'est-ce pas? Happy quarantine! C'est juste tellement paisible parce que, bon, évidemment quand je parle, il y a des voitures qui passent, mais en fait j'habite sur une avenue qui est super fréquentée et toute la journée normalement ça passe des voitures, des scooters, des motos qui klaxonnent, qui font un bruit incroyable, des ambulances, etc. etc. Et là, bon, genre, on entend les oiseaux. C'est trop ouf, genre d'habitude pas du tout. Et donc, bah, c'est grave cool. Et on peut profiter du coup du calme en fait, même si on est en ville. Donc c'est grave bien. Il y a quand même très peu de personnes qui se baladent, donc je vois que, comparé à hier, les règles sont plus respectées. Il y a peu de voitures aussi, donc... on va le vaincre ce virus, on va le vaincre. Puis du coup je pense que je vais réaménager ce balcon parce que... eh bien parce que c'est un accès à l'extérieur et que sans ça, eh bien on pourrit dedans. Cette plante, il y a une semaine, elle était toute petite comme ça, donc ça fait trop plaisir, les petits plaisirs de la vie. Mais en fait, j'étais en train de penser que y a des gens en fait qui doivent vraiment galérer à cause de ce confinement et que j'étais en train de me plaindre, de me dire oh, putain on va pas pouvoir aller au ski comme on avait prévu, on va pas pouvoir faire nos trucs, mais en fait j'ai réalisé que genre il devait y avoir des gens qui avaient prévu genre leur mariage, des baptêmes, des activités avec des dizaines et des dizaines de personnes qui engagent énormément d'argent, etc. Et je me dis mais trop chaud en fait pour ces personnes là et du coup ça me fait quand même relativiser sur ma situation qui est de bon bah écoute je peux pas aller en cours, bon je sais pas si mon échange au Brésil aura lieu ou pas, mais bon. Et voilà, il y a toujours pire que soi. Donc on va sortir et du coup je dois faire ma petite attestation de déplacement. Rogatoire quand on n'a pas d'imprimante. Qui fait grave beau, on va au parc et j'espère qu'on se fera pas arrêter. On a nos petites attestations en poche et puis on va essayer d'aller au parc. J'espère que ce sera ouvert et j'espère qu'il y aura personne, comme ça pas de contagion, n'est-ce pas? Après un jour de non-circulation, la nature reprend déjà ses droits. Si? Si, t'es à pied. Qu'il est drôle. Qu'il est drôle. Thank you.
on est resté à peu près là 30 minutes, je pense. On va pas tarder. Ça fait vraiment du bien de prendre l'air, quoi. C'est fou, en fait, c'est juste, c'est moi, genre, d'habitude, je suis quelqu'un qui sort pas trop. Franchement, je sors peu de chez moi. Je fais beaucoup d'activités, mais chez moi. Et d'être là, de savoir qu'en fait, on peut plus sortir, ça crée comme un sentiment d'étouffement, en fait. Alors qu'à la base, ça m'est arrivé déjà de passer 7 jours sans sortir de chez moi. Je sais, c'est pas bien, mais ça m'est arrivé plein de fois, en fait, de passer du temps. Je sortais pas pendant des jours, des heures, des semaines. Je m'occupais chez moi, tu vois, pas de soucis, j'étais pas en train de rien faire non plus. Mais vraiment, et c'est juste là l'idée du confinement. Déjà, ce mot confinement, ça fait flipper. Et l'idée qu'on n'a plus le droit et qu'on a besoin d'écrire une attestation. Genre, vraiment, ça c'est un scénario de science-fiction un peu, tu vois. Genre, c'est un truc que j'aurais jamais pensé vivre un jour. Si on m'avait raconté cette histoire, j'aurais été là, non mais lol, jamais ça arrivera. Et voilà quoi, c'est le cas. Et à la fois, je comprends tout à fait que c'est pour le bien de tout le monde, mais c'est vrai que ça crée un peu ce sentiment de putain, ça ajoute de la gravité à la situation. Et le fait que ce soit un interdit, je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a pas encore plus de gens qui sont sortis, mais que les gens ont continué à sortir parce que c'est genre la liberté de se mouvoir. Je pense que c'est la plus grande liberté qu'on peut avoir. Et là, le fait qu'on te dise, bah ok, tu peux pas faire ça, tu peux pas aller où tu veux, ça renforce un peu cette envie-là, comme tout, quand on te dit tu peux pas voir ça, t'as envie d'avoir. Enfin bref. Donc voilà, en tout cas, ça faisait du bien de sortir et de faire un peu de sport. That's when you go too far. What is I work out just a little bit, and then he's already like, you're gonna be this fitness girl, you're gonna be so beautiful, your ass is gonna pop. Je pense qu'on a fini. On va rentrer. Avant de se faire arrêter par la police, il ne faut pas abuser des bonnes choses, n'est-ce pas? Babe, did you get a good workout? Yeah, I wish I could have stayed longer though. Yeah, it's nice to be out in the sun. Ça fait du bien de quitter l'appart de 20 mètres carrés, n'est-ce pas? Oui. Studio étudiant, tu connais. Et en fait, il se trouve que Kim, normalement, bah, vu qu'il est dans l'armée et tout, on se voit que les week-ends, ou des fois on passe plusieurs semaines, voire mois, sans se voir. Et là, du coup, à cause du confinement, ou grâce au confinement plutôt, on va passer plusieurs semaines ensemble. Sauf que le truc, c'est qu'on est habitué à être dans une relation à distance quand même. Et du coup, là, c'est quand même un petit challenge, voilà. C'est où on se voit pas du tout pendant un mois, ou on se voit pendant un mois 24 heures sur 24. Donc ça va être sympa. Putain, il y a des gens là quand même, il y a pas mal de gens. Donc on vient de rentrer, on va se faire un petit repas. Je sais même pas quelle heure il est. Il est quelle heure? 16h. On n'est pas du tout décalé, c'est pas grave, mais moi j'ai même pas faim en fait, on a trop mangé ce matin. Je viens de désinfecter les appareils électroniques. Toujours dans cette paranoïa. Bref, mieux vaut prévenir que guérir.
Et pour bien finir la journée, on se fait une petite tisane de thym, citron, gingembre et miel, bien entendu, pour rester healthy et parce que c'est trop bon aussi, j'adore. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À demain!